Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Et moi je vais très très bien. Eh bien écoutez, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle même moi je me souviens plus. Je ne sais plus si c'était. Je me rappelle encore les premiers looks que j'avais créés et tout. Mais je me rappelle plus du tout premier des tout premiers looks. Et là j'ai un petit peu peur parce que je ne sais plus ce que c'était. Et avec du recul, je me dis que ça fait quand même déjà un an. Que je suis sur MSP, ouais, effectivement, je regardais la date sur l'ordinateur pour être sûre de moi, mais ouais, ça fait déjà plus d'un an que je suis sur MSP. Je fais pas beaucoup, beaucoup de looks, donc on va rapidement le retrouver, je pense. Ah, merci beaucoup, Poupia, pour la salutation, merci. D'ailleurs, il me semble qu'à un moment, j'avais fait un look de ce genre, ça tombe bien, un look assez, assez dark, dark, dark look, dark side. Mais on va aller voir ça tout de suite et du coup merci à toi Poupia pour la salutation, merci beaucoup. Merci également à Marion, merci, vous êtes trop chou, merci beaucoup, gros bisous à toi, merci énormément pour ta salutation, c'est super gentil, merci beaucoup. Oh le loup. Mais c'est qu'il y en a des salutations quand je me connecte. Oh, sympa le look aussi de Dévoria. En tout cas merci aussi Dévoria, très héroïque, gros bisous à toi également, merci beaucoup. Vous êtes trop chou. Mais. Ça ne s'arrête plus. Merci beaucoup à toi. En plus, il commence à se faire tard. Il est déjà 22h passé. Je me suis dit, bon, on va tenter une vidéo sans trop laguer. Et merci à toi, LOL4 Lapino également. Merci beaucoup. Mais c'est trop gentil. Merci pour toutes les salutations. Et merci. Voilà, en vidéo, merci beaucoup. Et on va aller chercher maintenant le premier look de la Quinzelle. Le premier look de Quinzelle YouTube. Sur Movistar Planet, on va aller directement dans les looks. Et on va regarder en même temps les looks que je fais régulièrement. Et je vais vous expliquer un peu les looks. Bah, il n'y en a pas forcément beaucoup, il doit y avoir 2 ou 3 pages grand max, je crois. J'ai pas envie de me spoiler, donc on va rester sur ce premier look. Donc ce look-là, je l'avais fait simple look, donc je ne sais même pas pourquoi. C'est comme ça, voilà, un look simple, j'avais voulu faire. Est-ce que j'ai toujours tout? Parce que j'ai donné pas mal d'affaires. Je ne sais pas si je peux encore le porter. C'est vrai qu'en plus ça date, hein, ça date de, il y a plus d'un mois, presque 2 mois. Enfin ouais, plus d'un mois c'est sûr. Mais est-ce que je peux le porter? Bon, en tout cas c'est pas grave si je peux pas le porter. Ah ouais, une partie du look ne vous appartient plus. D'accord. Et là du coup c'est Quinzelle normal. Alors ce look là, il a une histoire. Bon, s'il veut bien charger. Veux-tu bien charger s'il te plaît? Merci bien. Alors ce look-là, il a une histoire, puisque ce look-là, en fait, c'est un look qui a été créé pour faire une série sur MSP, une série Movistar Planet qui a déjà une histoire, l'histoire a été faite, j'ai pas envie de trop vous spoiler, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'avais créé, et ce n'est pas le personnage principal, même s'il fait partie des personnages principaux, le personnage principal, c'est Lalo qui a le rôle, en fait, et du coup, si vous voulez un petit spoil, ce personnage-là est le personnage méchant de la... Même si elle ressemble pas, elle fait pas très méchante, elle fait toute gentille. Mais bon, de vous à moi, hein, vous avez regardé, je pense, pas mal de films américains. Et d'habitude, voilà, la petite fille, la petite blonde pom-pom girl, c'est toujours la peste de l'histoire. Je sais pas pourquoi, c'est toujours la blonde et la pom-pom girl. La blonde in-one, two in-one en fait, la pom-pom girl blonde en fait, les deux, qui est méchante. Voilà, donc on reste dans les clichés. Pour ce look là, ben, je pense que tout est écrit dans le titre, Ariel la petite nulle, non je déconne, la petite sorcière, pas du tout, la petite sirène. Donc quand le thème Dark Water est sorti, j'ai sauté sur l'occasion pour faire le look d'Ariel. Le seul souci c'est que là on voit l'ancien visage, j'avais changé le visage exprès pour que ça, j'avais pris les grands yeux, mais ça a gardé l'ancien visage, ça me dérange un petit peu, mais bon tant pis, c'est pas grave. Et on va passer à la page suivante. Le look de Noël 1, 2, 3. Donc j'avais fait une vidéo à Noël en décembre où je partageais 3 looks qui pour moi étaient cool pour Noël. Donc le troisième étant mon favori. Mais je pense d'après le nombre de Love It, je pense que c'est également votre favori parmi les 3. Moi j'aurais été dans le même sens, premier ici, deuxième ici et troisième ici, donc celui que j'ai préféré c'est le look numéro 3, parce que la veste, j'adore la veste, je la trouve trop jolie, les cheveux trop beaux, voilà la petite jupe avec ces talons là, je trouvais que ça allait tellement bien ensemble, et en plus c'est assez difficile de trouver un look qui va bien et qui fait pas trop vulgaire avec des chaussures comme ça, et finalement ça rend plutôt pas mal avec la petite neige sur les cheveux, moi j'ai adoré.
Je vais vous montrer le look numéro 2 de Noël. J'ai hâte de voir le premier look. Et celui-ci, donc c'était un look que j'avais décidé de faire un peu plus casual, genre un peu Noël. Voilà, parce que... mais genre maison, tu vois, où tu passes à la maison. Donc avec un petit gilet et les petits collants. Vous savez, les collants un peu plus épais, plus opaques. Pas les collants que tu mets pour la soirée, quoi. Parce que là, c'est vraiment des collants voilà, pour la maison, pour sortir, pour pas avoir froid. Et merci à toi, Banana. Merci beaucoup pour la salutation. Je te fais un très, très gros bisou. Banana qui doit se demander, mais c'est quoi ce look 15L? Qu'est-ce que tu as fait à toi, en fait? En tout cas, merci. Heureusement, les personnes qui me font des salutations de très jolis looks, ça va compenser le côté mauvais look de la 15L. Hein. En tout cas, gros bisous à toi, Banana. Merci, merci. Merci énormément. Et on passe sur le premier look que j'avais fait pour... Enfin, le premier look, pas de tout premier look, mais le premier look de Noël. Qui est celui-ci. Donc, c'est un look que j'avais fait genre moitié Noël. Et j'avais pensé un petit peu au Nouvel An. Parce que c'est vrai, quand on arrive à la fin de l'année, bah, t'as Noël. Et genre une semaine après, bah, t'as le Nouvel An. Donc, je voulais un peu faire les deux. Genre look, voilà, avec des petites étoiles et tout. Plus pour le plus soirée, en fait. Beaucoup plus soirée. Et on tourne la page. Et on va arriver dans mes premiers looks là. Ah, pas encore. Donc je pense qu'il reste encore une page. Ici nous avons le look Japan School Girl. Donc j'ai voulu faire un mélange de d'un peu genre un peu kawaii, japonais, un peu animé. Ouais, même si c'est un peu too much animé. Mais je trouvais que le look il allait bien. Bon alors tu te cherches s'il te plaît. S'il te plaît, charge-toi. Ça met du temps hein. Va falloir que je reclique ici direct le temps que ça charge. Bon, en tout cas, moi j'aimais beaucoup ce look, je trouvais que les couleurs elles étaient vachement bien et on adore la bouche en knacky, bien naturellement, on kiffe ça, je sais que vous aimez tous. Et là tout simplement le look citron, le look voilà, c'était un look, en plus c'était même pas moi qui l'avais créé à la base, je l'avais customisé, mais la base de base, je sais plus, je crois que c'était Choupi Lapinette, hein. C'est pour ça en plus je crois que j'avais marqué Choupi. Il me semble que c'est ça, maintenant j'ai un doute parce que ça date quand même de l'année dernière. Et, mais sinon, moi j'aimais beaucoup ce look, ça faisait vraiment citron, un peu spécial. Mais il y a quand même 12 personnes qui ont acheté ce look, hein. Je ne comprends pas, faut m'expliquer. Pour le look ballerina rare, pas grand chose à dire si ce n'est que ce look je l'avais créé quand il y avait les rares, du coup en septembre 2017. Ça date un petit peu quand même. Alors, on arrive dans les premiers looks là, donc soit il y a encore une page derrière, mais il me semble qu'il y a quand même une page. Alors ça c'était la période où je faisais les vidéos, où je faisais les looks de thème avec d'autres youtubeurs MSP. Malheureusement j'ai pas pu continuer la série parce que le souci c'est que souvent les youtubeurs soit n'avaient pas la bonne qualité, soit ne pouvaient pas m'envoyer des images etc. Et ça a demandé beaucoup trop de temps d'organisation et j'avais arrêté cette série, mais j'avais beaucoup aimé la faire quand même. Donc là c'était le look Lit Life thème. Ensuite nous avons le look Cactus Cacti et le look Marina Life. Alors... je pense que le Marina Life c'est celui que je préfère des trois, mais j'aimais bien aussi le Lit Life. Ça aussi j'aimais bien, même si maintenant avec le recul je me dis que la coupe elle est dégueulasse en vrai. Elle est pas belle du tout. J'aime pas du tout la coupe avec le recul. Et Marina Life. Ah, le groin Bayamir. Oui, alors ça vous l'aviez kiffé. Moi je l'avais kiffé d'ailleurs. Est-ce que je peux toujours le porter? On va tester de le porter. Oh merci Galaxou, J7C, et on n'a pas la fin, mais je pense que vous pouvez le retrouver juste avec ce pseudo-là. Je pense que ça devrait vous suffire pour pouvoir le retrouver. En tout cas, je te fais un très gros bisou, merci beaucoup, merci. Vous êtes trop chou. Oh mon dieu, vous êtes trop chou. On va essayer de le porter, normalement, je devrais avoir encore toutes les affaires. Je devrais tous les avoir. Allez, s'il vous plaît, faites que j'ai toutes les affaires. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas porté ce look. Allez, s'il vous plaît, j'adore. C'est trop mignon. Yes! Yes, yes, yes. On porte le look cochon gringoin. Ensuite, nous avons le Peace and Love. J'ai décidé de faire un look avec celui-ci parce que je le trouvais sympathique. Mais surtout, il me semble que les cheveux m'ont coûté des diamants. Et c'est assez rare que j'achète des choses diamants. Mais la coupe, elle vaut des diamants. Mais moi, je la trouvais très jolie. J'ai adoré faire ce look.
parce que bah hein, j'adorais, tout simplement, je le trouve très joli, ça c'est le genre de choses que je pourrais porter dans la vraie vie, ça fait un peu Coachella, d'ailleurs il y a eu le thème Coachella il y a pas longtemps. Et le iZombie, pourquoi le iZombie, c'était le thème je crois avec un peu vampire, un peu, non même pas vampire, c'était gothique. Et moi j'aime beaucoup la série iZombie, donc j'ai mixé les deux et ça a donné ça. Et j'aime beaucoup, j'aime énormément, c'était vraiment alors que je pourrais porter encore, faudrait peut-être que je teste de le porter si je peux, si j'ai encore toutes les affaires, il me semble qu'en plus je dois tout avoir. Je trouvais ça joli, les chaussures, le collant, c'est tout qui matche bien. Alors Girl Next Door, un petit look, franchement rien à dire, il est simple, casual, voilà, c'est un look tout simple, tout con, tout bête. Et ensuite il y avait le look de l'hashtag Team Citron, alors je pense que ce look là ça va vous parler, pour ceux qui, surtout pour les personnes qui sont là dernièrement, puisque dans mes lives vous voyez la petite miniature et sur la miniature vous voyez un petit citron couché. Petit movie star citron couché, bah écoutez, c'est le look là qui a été utilisé pour la miniature. Bon, si ça veut bien charger, hein, movie star planète. Il veut pas charger. S'il vous plaît, charge. On va attendre qu'il charge. Mais ouais, j'ai utilisé ce look là. Et le look qu'elle porte, c'est en fait un t-shirt et un short que j'avais créé avec l'outil créateur pour le design quoi. La création design et c'est parti comme des petits pains en même pas quelques jours, ben il y avait plus rien, il y avait plus rien en vente et voilà. Mais si ça veut bien charger, hein, s'il vous plaît, non, attendez. Voilà, j'ai relancé le jeu, peut-être que ça ira un petit peu plus vite, mais voilà le look citron qui est utilisé pour la miniature et du coup le short avec le t-shirt que j'avais créé spécialement et le look Kelly Jenner. Oh, merci beaucoup à Abra Choupachou. Gros bisous à toi. Merci beaucoup, ma belle, pour la salutation. Ah, mais dis donc, il y en aura eu des salutations dans cette vidéo. Et là, on passe sur le look Kelly Jenner. C'était un look que j'avais essayé de faire pour lui ressembler. Et il me semble que je me suis trompée. Alors, attendez, je vais vérifier. Mais il me semble que c'était même pas Kelly que je voulais. C'était sa sœur. Attendez, Kelly Jenner, est-ce que c'est la bonne? Non, c'est la bonne, j'ai des bêtises, donc c'est bien Kelly Jenner. J'ai pas confondu, que je voulais créer et avec sa grosse bouche et tous ses cheveux noirs. Et je pense que ça a été bien réussi, le look Kelly Jenner. Et là, est-ce qu'on tombe sur la première page? Ah, c'est pas encore la première page. Et merci à Bra Choupachou encore une fois, mais c'est trop chaud, vous êtes trop mignon de m'envoyer trop de salutations. Merci beaucoup. Merci. Et ensuite, c'est quel look? Le Spring Fling. J'avais beaucoup aimé également ce look. Je le trouve trop mignon. Et c'est la première fois où j'avais porté des patins et j'avais adoré ça. D'ailleurs, il faudrait que je reprenne un peu les anciens looks. Alors ça, c'est un look licorne. Alors, je vous avouerai, au début, j'étais fan. Et maintenant, avec du recul, je suis beaucoup moins fan. Je trouve que les couleurs sont un petit peu trop flashy. J'aurais peut-être utilisé un peu plus de couleurs pastel pour faire ce look. Là, c'est un look de Sabia, donc c'était un look du coup, je suppose que Sabia m'avait créé et que j'avais réutilisé, donc j'avais bien précisé que ça venait de Sabia pour le garder dans mes looks. Et oh encore un bras, merci. Merci beaucoup, je te refais un très très gros bisou. Merci beaucoup, ma belle, et d'ailleurs, n'hésitez pas à les ajouter, à les aider, merci. Merci beaucoup. Après, j'irai voir quand même dans les messages si je déconne pas trop, si ça bug pas trop. Et est-ce qu'on arrive à la fin? Ah, il y a le Black 2.0. C'est... Ouf, j'ai quand même fait plus de looks que ce que je pensais. Alors, le look Poison Ivy, c'est tout simplement le look j'ai essayé de faire le look de Poison Ivy. Voilà, tout simplement. Poison Ivy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méchante dans Batman. Donc, voilà. Normalement, je crois qu'elle avait la peau verte. Je sais plus, verte, je crois. Bon, enfin bon. Oh, merci encore, Abra. Mais elle me gâte trop. Elle me gâte trop, c'est trop gentil. Gold look. Le gold look, c'est l'un de mes looks favoris, du moins à l'époque. J'aimais beaucoup ce look parce que c'est l'époque où je vous disais qu'il n'y avait pas assez de gens avec les cheveux courts et que je trouvais cette coupe tellement belle. J'en avais fait un look. Là, il faudrait que je le reporte. Je changerais peut-être juste les collants. Les collants ne me plaisent pas. Mais sinon, le look en soi-même me plaît toujours. Et le look Black Cat 2.0, s'il y a un 2.0, je suppose qu'il y a un 1 qui existe. Mais je crois que le 1, c'est le même, mais sans les ailes.
Mais voilà, ça c'est l'un de... Alors là, je peux vous le dire officiellement, parce qu'en plus, c'était le 14 du 5. Moi, j'ai commencé le jeu le 9 du 5. Donc, soit il y a encore une page derrière, soit il n'y a plus rien. Mais je pense qu'il y a encore le Black Cat numéro 1 derrière. Et ce sera tout. Lycéenne, j'avais fait... Donc, il y a encore une page. Mais là, je vais peut-être pas vous appuyer dessus. Mais là, il y a Studiger, les lycéennes. J'avais essayé de faire des looks un peu à la lycéen. The Bad Girl, je sais pas pourquoi j'ai fait The Bad Girl, je m'en rappelle plus. Elle ressemble beaucoup à l'autre. Mais ouais, Black Cat, c'était... Bah, y a plus... bah, j'ai dû supprimer la première version, mais la première version, je pense que c'était la première. Et je pense que je l'ai supprimée ou pas loin. Mais ça devait être la deuxième, après le look Carline. Je crois que Carline Française, c'était la première que j'ai fait. Mais là, le Black Cat, franchement, c'était un look que j'avais gardé super longtemps. Donc il y avait une version sans elle, il me semble. Et bah franchement, avec du recul, ça va, j'aime bien. J'aime bien le look, ça va. Et il y avait eu Fairy Princess. Why, pourquoi j'ai fait ça? 15L, pourquoi t'as fait ça? C'est pas du tout, en vrai, c'est pas du tout mon délire, ce genre de look. Sans plus, je crois que je l'avais fait juste parce que je trouve, parce que Keke m'avait envoyé l'ensemble. Et je voulais avoir l'ensemble sur un seul look. Mais en soi, c'est pas le genre de look que je porterais. Et le premier look, du coup, c'est celui d'Arline Française. Et ben voyez-vous, je m'en souvenais même pas. Je savais que j'avais fait un look Arlililil, mais je ne savais pas que c'était le tout premier que j'avais fait. Et ben écoutez, c'est le tout premier que j'ai fait. Et on voit aussi le premier visage que j'avais sur Movie Star Planet, c'était celui-ci, avec les yeux bleus, la bouche rouge, le nez comme ça, avec les grains de beauté, bah, enfin les grains de beauté, les taches de rousseur. Bah, vous connaissez mon éternel amour pour les taches de rousseur, j'adore ça, c'est trop mignon. Donc ça m'étonne pas au niveau du visage, après c'est vrai, je me rappelais plus que c'était celui-ci, mais en tout cas, moi j'adore, et en même temps, hein, c'est Carzel, donc forcément, fallait faire le look à Arlililil. Et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez un petit peu redécouvert l'évolution de la Carzel au niveau des styles vestimentaires. Parce que là, si je reviens, est-ce que je peux revenir au tout début d'un coup? Non, je suis obligée de tourner toutes les pages. Si vous comparez un petit peu ce que c'était au début et ce que c'était la fin, finalement, il n'y a pas un grand changement, à part la bouche en knacky et les petits yeux. Mais dites-moi lequel, dans le commentaire, dites-moi lequel de mes looks vous avez préféré. Parce que moi, honnêtement, si je devais vous dire lequel j'ai préféré, ben ça a été l'avant-dernier que j'ai fait. Donc c'est celui-ci que j'ai fait pour la série, celui-ci. Je trouve magnifique, j'adore les couleurs, j'adore son visage, j'adore la coupe, j'adore tout en fait. Je kiffe, je valide. Moi, 15L normal, donc c'est mon look préféré, mais si vous en préférez un autre, dites-le moi. Et moi sur ce, je vous laisse. Et n'hésitez pas à me dire à quoi ressemblait vos looks à vous, votre premier en tout cas, votre premier look quand vous avez commencé Movie Star Planet. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live, ciao ciao.